Bienvenue ici à Paris pour la suite de ce programme exceptionnel. Après une journée incroyable hier, on est de retour. Yael tout de suite, oh là là, magnifique, quelle entrée. Tout de suite dedans, en décalé, attention. Sur ce passage ici, il faut résister à cette jambe là. On essuie glace, attention, la prise de risque. Eh oui, mais... Il peut s'en vouloir de la jeunesse et encore. Très offensive, le japonais. Oh là 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 là, quelle finale et quelle leçon de judo pour Sasaki. On tente avec ce petit coup de patte magique, bien vu de la part de Jagger, là le coach Igari, l'immobilisation à suivre. Et elle va aller chercher son hippon, Jagger, et sa médaille de bronze. Et c'est fait désormais, Wazari Awazate, hippon de Wazari. Qui lui permet donc, voilà. Le coup de patte ici, oui, le bon balayage. Oh, l'étranglement. Oui. Et il est placé. Regardez, imposée. La main qui est sur la gorge là. Ouais. Elle va aller chercher l'immobilisation. Et Matic. Et elle va aller chercher sa victoire au tournoi de Paris. Anisoé qui va aller au bout. Et vous avez vu hein, ce contrôle au niveau de la gorge. Matic qui est prise sur l'étranglement. Et pour pas se faire étrangler, bah, était obligé de rouler sur le côté, se mettre sur le dos. 17, 18, 19 et 20 secondes, c'est terminé. C'est terminé, Nisoé remporte le Grand Slam ici dans la catégorie des moins de 70 kilos. Oh là 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 là, magnifique! Magnifique! Dites-moi, ça serait pas un petit peu du Céline Lebrun, ça, ce petit retour de l'hirondelle là? Surprenant, Egutidze. Toujours à l'intérieur, très incisive. La reprise de contrôle, Iliel contre. Iliel sur le gong quasiment. Eh ouais, la défaite amère pour Kalmurzev qui avait fait le boulot en revenant au jeu des pénalités. Et première Simonson. Liaison de boussole pour l'Israélien. C'est fini. Oh là 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 là. Quelle leçon de judo. On en a parlé, Céline, avec vous. Main gauche loin derrière. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Superbe. Oui, il enclenche. Corps à corps, Rucci. Oh là 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 là. Quel dommage. La victoire de Katarina. Et Olivar, hein, qu'on a senti vraiment en difficulté. Oh là là, magnifique. Coup de génie et quel tournoi, quel grand slam. Le judo est de retour ici à Bercy. Et on le vit vraiment pleinement. À nouveau un hippon spectaculaire pour cette fois-ci le russe Adamian. Un Adamian qui brille de mille feux. Et c'est terminé. La dernière pénalité qui tombe pour Anne-Fatou Batembero, concassée hein, au niveau tactique par Julia Tolofoa. Ça va être dur, encore une pénalité. Ah, c'est fini. Dernière pénalité. C'est fini, la dernière pénalité qui tombe. Et Léa Fontaine donc qui finira deuxième. Si on a une affaire, c'est maintenant. Clairement, là, il faut que ça soit pour lui, il faut que ça soit pour Joseph. Allez, reste dedans. C'était bien. Oui. Et le coup d'embarrage. Revenu de l'enfer, Joseph Terek annoncé battu. Et Joseph Terek, poussé par le public, qui s'empare du bronze dans un combat incroyable. Le retour de Joseph Terek et le retournement de situation alors que il avait été annoncé perdant. Oui, ça c'est bien. Oui, vas-y. Oh là là, énorme Cyril Barret. Un mouvement de judo spectaculaire en finale. Oh là là, il se passe un truc de dingue. Dans cette phase de corps à corps, allez. Oh là là. Allez, ça va se terminer. Ça va se terminer comme ça sur cette phase de corps à corps. Parce que Cyril a été pris. Il a été pris sur cette attaque en corps à corps. La puissance de Tassoev. Et le respect des deux hommes. Quelle finale. Et quel garçon exemplaire, quel homme Cyril Barret, voilà, qui s'incline. Mais l'exemple pour tous. Et cette voix, regardez, hein, Céline, vers Paris 2024, l'engagement, le travail, la détermination. C'est le grand frère, hein, Cyril Barret, de cette équipe de France. Et regardez le respect du Russe. En plein